Louis d'Hédemont, surnommé Louis XIV ou même le Roi Soleil, est né à Saint-Germain-en-Laye, en France, le 5 septembre 1638. Son père est Louis XIII et sa mère Anne d'Autriche. Le jeune Louis n'est que 5 ans lorsque son père meurt. Il prend ainsi le pouvoir mais gouverne avec un ministre. La Fronde est une révolte qui frappe la France alors que Louis accède au pouvoir en 1643. Pendant ce temps, l'Espagne attaquait la France. Ce fut donc une période de troubles pour la France. La Fronde naît à cause d'une pression croissante de la fiscalité royale, d'une remise en cause des privilèges des parlementaires parisiens. Le pouvoir royal peut gouverner seul dans le cadre d'une monarchie absolue qui amènerait à un renforcement monarchique. Cela créa un mécontentement général. Les paysans se révoltèrent. Louis XIV fut accusé de ne pas être un bon roi. Il fut arrêté. Peu après, en 1653, on finit par trouver une solution. On baisse les armes et signe la paix. Et, en 1654, il fut sacré roi. La fleur de lys. La fleur de lys est un emblème de royauté. Seules les personnes de sang royal ont le droit de s'en revêtir. Le sceptre, cela montre que Louis dirige. Grâce au sceptre, il augmente son autorité. La couronne, cela montre qu'il gouverne et qu'il a du pouvoir. L'épée, cela montre son autorité. Il peut tuer. Le trône, c'est la principale source de pouvoir. Tous ces objets montrent que Louis XIV est un modèle du monarque absolu et qu'il gouverne seul dans un cadre autocratique. Pendant la Renaissance, il fut fréquent que les rois de France, pourtant mariés, entretiennent plusieurs maîtresses. Ces maîtresses avaient de grandes influences sur les rois. Certains rois allaient même jusqu'à en épouser secrètement. C'est le cas de Louis XIV qui secrètement a épousé Madame de Maintenon. Quelques-unes des maîtresses de Louis XIV sont Catherine Bélier, Olympe Mancini, puis sa sœur Marie Mancini, et à peu près 10 autres maîtresses. Les conquêtes de guerre de Louis XIV. Louis XIV, connu malgré tout pour la monarchie absolue de Versailles, a conquis de nombreux territoires, notamment une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le nord de Pas-de-Calais. Il a aussi conquis l'Alsace entière, le Franche-Comté et aussi le Roussillon. Cela lui a permis d'acquérir encore plus de pouvoir et d'avoir une réputation encore plus grande. Grâce à lui, on a obtenu cette forme hexagonale de la France. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 à l'âge de 72 ans de la gangrène sénile, une maladie très grave. Mais cette date n'est pas que la date de sa mort, mais aussi celle de la fin d'un règne personnel de 54 ans. En léguant son trône à son arrière-petit-fils, qui deviendra le roi Louis XV, qui lui, comme son grand-père, monta sur le trône à 5 ans avec l'aide d'une régence.